Merci Seigneur. Jodi a Frère Maxime yo, parole, bon Dieu, confirme pour vous. Parole que le Seigneur mettait sous cœur pour me partager avant. Livin di yo, travail dit, pas fait paresser. Travail dit, pas fait paresser. Et ce message-là, ça. Travail dit, pas fait paresser. Quand quitte me dit, mes bien-aimés, tout travail que n'a fait, gardez bien pour eux. Tout travail qu'on a fait, quel que soit type de travail là, quel que soit travail qu'on a pour réaliser, quel que soit travail qu'on a pour faire, là, et peu importe type là ou bien qualité li, gon bagay qui influence elle. Et qui ça qui influence le travail ça? Qui ça qui influence la qualité li? C'est attitude. Qui attitude que vous avez développé par rapport à travail que vous avez exécuté, par rapport à travail que vous avez effectué? C'est qui attitude que vous avez développé? Et c'est ça qui peut influencer travail ça. C'est ça qui peut permettre tout réussir ou bien échouer là-dedans. Là où content pour faire travail, là content ou à travail, ou vient faire travail ça mes bien-aimés, là font bagay que ou content soit faire ou enjoy li ou sent ou bien dans soit faire gardez bien pour ou après ou faire avec aisance ou après ou à l'aise la donne et ou prend plaisir pour faire et ou mettez à cela pour réaliser pour faire bien mais le qu'on y a ou travail sous contrainte le qu'on y a c'est forcer à forcer pour faire bagay c'est goumer avant pour faire bagay ou pas gain conviction la donne pas gain conviction mes bien-aimés. Et rendement que y a tant nan men là rendement pap jam bon la paix bon Dieu avec ou pap jam gen bon rendement lorsque travail là c'est sous contrainte c'est sous pression donc ou faire sans conviction ou pas faire vaille que vaille ou pas faire n'importe qui gens pap gagner rendement et ben c'est même gens mes bien-aimés Sam Abdoula là ou expérimenter ou même cap travail ou expérimenter dans toute activité que ou fait et ou comprendre ça qu'a parlé là. Et ben c'est même gens mes bien-aimés dans la vie chrétienne là. Dans la vie chrétienne là, lorsque ou ap mené, ou ap marcher dans vie chrétienne là avec conviction, lorsque ou ap marcher, ou ap servi bon Dieu avec conviction, lorsque ou ap servi bon Dieu avec l'amour, eh bien témoignage qu'on pral bail là. Christ qu'on pral témoigner là, li pral vin naturel la caillou. Son bagage qui pral naturel ou a fait partage là naturellement et travail d'évangélisation hein travail qu'on y a là d'al chercher pour al chercher nan pour Christ là li pral vinn un exercice facile pour vous li pral vinn un exercice qui intéressant pour qui raison parce que Christ qui dans la vie là travail qu'on a fait ou a fait avec conviction ou a fait par amour ou a fait avec un pile love là dedans ou mettez remè la donne parce que soit faire li gen remè la donne ou partager foi li vin naturel donc kounya ki te m'di ou mes bien-aimés pour éviter kounya yon paresse pour éviter ou relâchement pour éviter yon assoupissement car ça arrive dans travail là gen moun ki bien démarré gen moun ki démarré effectivement avec zèle gen moun ki vraiment mette activité dans koyo pour travail pour bon Dieu mais pour raison pour l'autre ouais que gon côté moun nan rive et pour ouais gon relâchement ouais gon li affaibli gon assoupissement et bien gen plusieurs raisons qui capable à la base et c'est peut-être ça mes bien-aimés le Seigneur vient d'aujourd'hui a ayez du zèle. Le Seigneur vient d'aujourd'hui à travail dit pas fait paresser. Travail dit pas fait paresser. Car je dis à mes bien-aimés, ou gen tout bagay qui réunit, ou paquet bagay qui réunit, qui pour provoquer paresse la caille nous pour nous servir bon Dieu. Condition réunit pour nous pas venir l'église. Condition réunie pour nous pas venir dans service de prière. Condition réunie pour nous pas venir dans étude biblique. Condition réunie pour nous pas aider une autre. Toute condition réunie pour nous faire paresse. Parce que ça qui a passé dans le monde là aujourd'hui là, c'est ça même qui provoquer.
li provoquer même paresse spirituelle là, li provoquer même relâchement, li provoquer même assoupissement. Il suffit qu'on fasse un coup d'œil pour ça qui passe dans l'église. Il suffit qu'on fasse un coup d'œil pour ça qui passe jodi à là dans le monde chrétien. Sans moi, c'est réel. Parce que jodi à là chrétien a dormi. Tout chrétien jodi à là trois quatre tombé dans paresse. C'est râler pour après râler sous corde, c'est râler pour après râler, c'est traîner pour traîner aujourd'hui à là pour servir mon Dieu. Parce que tout le monde tombe dans relâchement, tout le monde tombe dans paresse, tout le monde tombe dans assoupissement. C'est comme ça si ou t'a dit c'est moche c'est qui pique tout chrétien parce que tout chrétien a dormi aujourd'hui à là. Aujourd'hui à le Seigneur vient nous travail dit. Le Seigneur vient nous aujourd'hui c'est pour gain zèle et gain zèle veut dire qui ça mes bien-aimés. Les consister en qui ça? Les consister essentiellement à remer ça à faire. C'est ça, ayez du zèle. Le revient d'où, c'est pour travail dit, veut dire, c'est remer ça à faire. Remer ça à faire et faire ça à faire avec engouement. Je veux dire, on travaille pour le Seigneur. Le Seigneur relè ou li meto dans champ ou vin ou ouvrier dans champ et ouvrier koye, je veux dire là, ou pas gen droit à la paresse. Ou pas gen droit pour quitter dormi prend. Nan chan koto yé a, son chan ki mande pou travay 24 hours, mes bien-aimés. Parce que ou fait pour toujours sous la balle. Ou fait pour toujours sous la balle. C'est ça que le travail dit. Pas fait paresser. C'est pour travailler avec zèle, c'est pour travailler avec love. Parce que soit faire, faut remèl. Et faut qu'on fait avec engouement. Nous constatons, mes bien-aimés, que gen en pile chrétien. Jodi a la qui a fait paresse. En pile chrétien jodi a la paresse. En pile chrétien pa vle travail di. Pendant ce temps y a travail di pour l'autre côté. Y a travail di dans l'autre domaine, mais kou parle de travail di pour le Seigneur, yo gen toute qualité problème. Pied yo a fait yo mal, yo fatigué, yo gen douleur, yo gen toute bagay, mais yo fait tout l'autre travail di pour l'autre côté. Sauf pour le Seigneur yo pa vle travail di. Nous constatons là, mes bien-aimés, que y a un pile chrétien paresseux. Et pendant ce temps, il n'y a pas paresseux pour l'autre monde. Il n'y a pas paresseux pour l'autre travail là. Il est très zélé dans l'autre travail là. Malgré le fatigué, il a fait dobo. Malgré le fatigué, il n'a pas dormi. Parce qu'il a poussé le. Et il prend des répercussions sur la vie chrétienne. Nous voyons qui j'en moun sa yo, il mène la vie chrétienne. Nous voyons comment moun sa yo, yo tiède. Nous voyons comment que moun sa yo mes bien-aimés, yo pas capable avancer, pas gain croissance, pas gain grandi, pas gain développement pour yo. C'est normal là vivre comme ça, c'est normal pour quoi choko. Parce que yo pas gain envie, yo pas gain rien qui pour permettre yo grandi. Yo vinn paresseux, yo vinn tomber dans laxisme. Donc c'est à peine mes bien-aimés si moun sa yo, c'est à peine pour yo ouvrir bouche yo pour yo parler de Jésus. C'est à peine pour ouvrir bouche pour partager foi pour dire pour citer le nom de Jésus, mais pendant ce temps on attend de toute l'autre nom dans bouche yo, on attend de toute l'autre bagaille y a parlé, mais on pas attend y a parlé de Jésus parce que on pas gain temps pour lui. Encore moins pour nous ça témoigner, encore moins pour nous ça partager un témoignage. Non, parfois ouais y a capoté, parfois ouais c'est titi y a titillé, y a pour vous les de bord. Pour yo connaître qui ça Christ, pour yo connaître, pour yo ta fonti, pour yo ta don ti mot pour Christ. Ou est-ce gazouillé y a gazouillé, c'est où les mdebo y a fait. Et pourtant lo gade yo ou est yo c'est de bons chrétiens, lo gade yo ou est vraiment yo toujours là, yo sous ça ou ap gade ou est ou dit oh yo bon impression que yo sous ça, mais au fond pas gain rien. Mais bien aimé qui t'aime d'aujourd'hui a le Seigneur vient dire, travail dit, pas fait paresser. L'homme travail dit pour le Seigneur, le zèle en Christ, mes bien-aimés, est important. L'homme zèle, l'homme zélé dans le travail Christ, ça est important. Ça va permettre de manifester joie pour le fait que vous appartenez à Christ. Le fait que vous c'est pour Christ. Le fait que vous en Christ, ça peut être que content pour vous. Et l'amour bon Dieu prend racine dans cœur, l'amour bon Dieu prend racine dans cœur, li fait que koun y a tout travail qu'on va faire pour le Seigneur, on va faire avec remè ça. Ça mes bien-aimés sont éléments indispensables que lié.
pour capable faire travail d'évangélisation au marché. Car sans l'amour, sans témoignage ça, ou pas capable faire travail ça avancer. Et ça fait le braldou dans Éphésiens chapitre 6 le verset 15 qui ça braldou. Il va dire mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ouais. Le zèle que donne l'évangile de paix. Donc l'on zèle ça mes bien-aimés. Ou après que ou gagné yon chaleur, ou gagné yon désir brûlant, et ça fait d'où soyez fervent d'esprit, ou pral gon ferveur, ou pral gagné yon ferveur, ou pral gon désir brûlant pour avancer, pour évangéliser, pour aller chercher nom pour Christ, pour partager foi, pour parler de Jésus. Tout côté au passé, c'est pour dire un mot pour lui. Ou dans le travail là, c'est pour dire un mot pour lui. Ou dans la rue, c'est pour dire un mot pour lui. Ou dans le boss, c'est pour dire un mot pour lui. Quelque chose côté au passé, c'est pour dire un mot pour Jésus. Parce que l'idou, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ephésiens 6, 15. Donc je dis à Frère Maxime, yo bien-aimé dans le Seigneur, ou doué zélé pour capable quimber jusqu'au bout. Ou doué zélé pour capable river remporter bataille ça. Ou doué zélé pour capable river dans terminus là. Ou doué zélé pour capable river fini course là, mes bien-aimés. Donc sans zèle ça, sans travail du ça, sans mettre main, sans prendre engagement, sans détermination, sans volonté, ou pas qu'arriver jusqu'au bout, ou pas qu'arriver dans fait course là mes bien-aimés, ou pas tomber sur route là. Et ça fait le prophète Élie qui ça le fait mes bien-aimés, le prophète Élie fait preuve de zèle mes bien-aimés pour être capable de tenir face, pour être capable de faire face carré à 450 prophètes Baal ça yo. C'est parce que le te kembe ferme, c'est parce que le te gazelle mes bien-aimés. C'est parce que le te travail dur, il te kembe, il te résiste mes bien-aimés. Qui fait le te kembe tête à 450 prophètes ça yo, hein? Tenez ça la parole de Dieu dit yo, dans 1 Roi 19 10, il dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle. Alléluia pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué pour les par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Alléluia. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté moi seul. Ou pas besoin de monde, mes bien-aimés, des fois, bon côté, pour prendre engagement pour le Seigneur. Ou pas besoin de garder sous X, ou pas besoin de garder sous Y. Graine ou même suffit pour faire travail là. C'est droite ou même ou doit droite seulement. Alléluia. Pour un engagement, ou pas besoin de garder sous X, ou pas besoin de garder sous Y. Ou pas besoin de compter sous X, ou pas besoin de compter sous Y. Pour un engagement ou même, ou pour un engagement pour travailler pour le Seigneur. Ou pour un engagement pour défendre cause l'évangile là. Pour défendre cause là. Alléluia. Ou pas besoin d'aide personne. Ou compter sous le Dieu des armées. Ou compter sous l'Éternel des armées. Ou compter sous lui et ou même pour un engagement avancé. La pas avancé avant. La bonne victoire. Apôtre Paul, mes bien-aimés. Il était un gros zèle tout. Il c'est un homme qui était très zélé pour témoigner Christ, mes bien-aimés, et pour être capable de porter haut flambeau l'évangile là devant toute nation. Et ça fait, il courir, et ça fait, apôtre Paul marcher, il conquérir de grands territoires pour être capable de bailler l'évangile ça, l'évangile de paix. Il était metté soulier ça dans pied. Il te mettait soulier ça dans pied pour te marcher, alléluia, à l'bail l'évangile là. Ça fait dans Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 3. Il dit, je suis juif, né à Tarse en Sicile, en Cilicie. Il dit, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, alléluia. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Merci Seigneur. Donc mes bien-aimés, frère Maxime yo, connaît bien jodi a, zèle ça, travail dit ça pour le Seigneur, li indispensable frère Maxime yo pour nous témoigner tout temps et sans relâche pour nous témoigner pour Christ. Zèle ça mes bien-aimés, ou besoin jodi a. Songez bien, l'autre fait qu'accepter Christ qui ont réagi. Songez bien chaleur côté gagné l'autre fait qu'accepter Christ. Songez bien chaleur ça mes bien-aimés, chaleur nouveau converti ou là. Chaleur l'autre fait qu'accepter Christ. Ou songez jonté chaud, ou songez jonté brouillant, ou t'es sous ça.
ou t'es habile, ou t'es sous, ou t'es assidu, ou t'es là dans l'étude biblique, ou t'es là dans le service de prière, ou t'es là à l'église, ou t'es dans toute activité, ou t'es scellé. Parce que vous voulez avancer, vous voulez grandir, et puis brusquement arrêter, ou tomber dans tiédeur. Et tout le monde te voit zèle ça. Parce que zèle ça était très remarquable. L'autre fait qu'accepter Christ. Et mais kembe, c'est pour kembe jodia. C'est pour camper jodia avec zèle ça. C'est pour lever bonheur dans matin. Alléluia. C'est pour accepter faire sacrifice là pour le Seigneur. Parce que ou fait pour l'autre là. Ou passer temps dans le travail l'autre là. Ou travail dit pour l'autre là. Yes. Le Seigneur a demandé tout lui-même pour travailler dit pour lui. Ou pas faire paresse dans le travail blanc. Ou pas faire paresse dans le travail blanc. Mais pour qui sont voulu faire paresse dans le travail, bon Dieu? Sont pas paresseux dans le travail blanc. Pour qui sont voulu paresseux dans le travail, Seigneur? Dans le travail blanc ou travail dit? Dans le travail blanc ou connaît pas gain, garçon pas campé? Et dans le travail Seigneur lui-même ou adopté paresse? Je dis à le Seigneur, viens dire, travail dit. Pas faire paresseux. Même ferveur qu'on a te gagné, l'autre fait qu'accepter Christ là, la li besoin ferveur ça jodi a. Li besoin désir brûlant ça. Et c'est peut-être ça ou de prier. C'est pour prier mes bien-aimés pour bon Dieu kembe yo. Lorsque flamme ça allumé, lorsque flamme ça ou entretenu, eh bien, l'a toujours été l'humain. Flamme côté recevoir. Flamme qui était l'humain. L'autre fait pour Christ là. Kembe flamme ça. Kembe flamme ça. Habitude que tu gagné ou tu toujours dans service yo. Kembe habitude ça. Retournez jodi a là. Reprenne position. Reprenne place sou. Reprenne position. Reprenne place jodi a. Ramassez de vous. Ou ap diminuer. Gardez bien pour vous. Ou a perdu force. Ou te commencé très bien. Et gade jodi a jon kotoye. Pa kite temps, pa kite atmosphère influencé yo. Pa kite temps influencé yo. Pa kite temps ko ap vive la, pa kite monde lan développer découragement pour ton attitude découragement. Non. Travail dû. Rentrez pifon. Je dis à le Seigneur, attends-nous. Je dis à le Seigneur, attends-nous pour reprendre position. Je dis à le Seigneur, attends-nous pour travail. Pour mettre mon en patte là. Pour recommencer travail. Recommencer travail. Prends responsabilité. Prends responsabilité aujourd'hui pour avancer. Prends responsabilité aujourd'hui. Pas de monde qui a avancé pour vous. Pas de monde qui a zélé pour vous. Pas gen moun k'ap travay di pou ou, moun pa travay di pou moun. C'est chaque grain moun ki travay pou tèt yo. M pa ka travay di pou ou, pasteur pa ka travay di pou ou, évangéliste pa ka travay di pou ou. C'est on chaque ki pou pren responsabilité nou pou nou travay di, pou nou pa fè paresseux, pou nou fervent d'esprit, pou nou développer ferveur ça, désir brûlant ça, parce que m pa ka vle ou pa ka vle, c'est moins pou grandir pou ou, ou pa ka vle c'est moins pou avancer pou ou. Ou pas qu'à blesser moi pour servir bon Dieu pour vous. Ou pas qu'à suspendre. Ou pas qu'à chaque fois c'est sous moi à regarder. Faut prendre responsabilité pour grandir. Faut prendre responsabilité pour développer. Faut prendre responsabilité pour avancer. C'est responsabilité ou pour travail dû. C'est responsabilité ou pour travail. C'est engagement personnel ou pour prendre jodi a pour capable grandir. Et c'est comme ça mes bien-aimés. Impact engagement. Impact zèle là, les grands. Lorsque ou même ou prend engagement pour travail dû pour le Seigneur, li pa prêter sans impact. Li pa prêter sans que li pa porter résultat, li pa bay fruit mes bien-aimés. Li pa stimuler la foi moun ki tombe dans paresse. Moun ki bon côté yo, ki wè ki jan wap avancer, ki wè ki jan wap grandir, ça pral influencer yo, ça pral agir sou yo, ça pral fouetter. Ça pral susciter la caillou yo pour yo prend tout engagement yo. Parce que pral wè ki jan teye, ou prend engagement ou développer. Li inadmissible pour jodi a la pour tout temps ça qu'on gagne dans l'évangile c'est dans état ça ouyé. Li inadmissible pour après tout temps ça pour c'est là ouyé. Faut son choix pour faire pour grandir. De Corinthiens chapitre 9 le verset 2.
La parole de Dieu dit, je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Oui, environnement capable d'influencer par zèle nous. Environnement côté nous y est capable d'influencer par zèle nous. En pile monde qui a venu dans groupe là, en pile monde qui a venu dans ministère là, en pile monde qui a venu l'église là, un peu monde qui a influencé, oui, par zèle nous. Zèle nous gagne pour le Seigneur. Jean que n'a travaillé du pour le Seigneur, ça capable attirer l'autre monde. C'est peut-être ça mes bien-aimés. Moi vinn d'aujourd'hui à paf qui te paraisse envahi. Pas badba. Même si on y a pas le mal, même si on y a pas de résultat, pas abandonner. Pas quitter paresse envahi. Pas quitter paresse envahi. Pas garder, pas gagner, pas vle, pas prendre engagement aujourd'hui à profond pour travail dur pendant que vous garder, vous reprocher l'autre, vous kembe rancune à moun qui te fait obstacle sur route là avant. À moun qui t'est bloqué ou, à moun qui t'a empêché ou passer, à moun qui t'est sorti pour barrer ou la route, pas kembe personne nan cœur. Pas garder aucun moun rancune, parce que l'te bo, parce que l'te poto, li te met ton bloc devant ou, parce que l'te mette yon barrière devant ou, nan yon mission. Non. Zélé, tout en gardant votre pureté, votre sanctification. Il y a des gens qui sont zélés de façon pure, il y a des gens qui sont zélés de façon impure. Il y a des gens qui ont un zèle impur. Zèle impur, là, c'est les gens qui travaillent en dans l'église là, et mais pour détourner les gens qui veulent avancer, les gens qui veulent grandir, les gens qui veulent zéler pour la bonne cause de l'évangile, les gens qui veulent zéler pour Christ tout bon. Ou jwenn l'autre groupe en nan qui a pratiqué un zèle impur. Qui très zélé dans décourager moun, qui très zélé dans détruire l'église, qui très zélé dans craser l'église, qui très zélé dans faire moun quitter groupe, qui très zélé dans tailler zèb en papier moun. Ou ap joine groupe ça, ou ap joine groupe de moun ça yo en dans communauté ya, en dans ministère ya, en dans l'église là, yo existé. Qui un groupe qui a un zèle pur, un groupe qui a un zèle impur. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Galates 4, 17. Et ça le dit nous. Connais bien mes bien-aimés. Ou ap joindre moun sa yo sou routou. Enlevez campé jodi a. Enlevez campé jodi a avec confiance dans bon Dieu pour nous témoigner foi nous, pour nous témoigner Jésus-Christ tout côté nous passer sans paresse. Car la paresse mes bien-aimés fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est ça proverbe, c'est ça nous apprendre dans proverbe 19 le verset 15. Donc on nous refuse aujourd'hui à toute paresse. On nous accepte aujourd'hui pour nous travail dur. On nous proclame aujourd'hui à que nous scellés que n'a travail dur pour l'œuvre de Dieu. On nous fait déclaration ça aujourd'hui à. Je dis que chaque monde qui là prend engagement pour dire moi à travail dur pour œuvre bon Dieu. M'a travail dur pour avancement œuvre bon Dieu. Fais très attention mes bien-aimés à l'oisiveté. Car moi toujours dit non. Le Seigneur pas accepté. Le Seigneur pas admettre spectateur la caille. Mais il admet acteur. Pas accepter venir dans ministère là pour venir garder. Ou venir dans ministère là pour venir travailler. Ou venir dans ministère là pour agir. Ou venir dans ministère là pour porter pour poser une action. Ou pas venir faire spectateur. Le Seigneur pas besoin spectateur, il besoin acteur. Chasser l'oisiveté. De pou pa gagne ou a fait ou a oisif. Et ça pral faut tomber dans sommeil spirituel. Et ça pral permettre que ennemi en lui-même il joigne espace, il joigne terrain pour évoluer, il joigne terrain pour marcher, il joigne terrain pour mener on et pour mal mener on et pour faut faire travail pal. Les pral menon dans zèle impur là. De pou pa gagne bon travail ou a fait en dedans dans chambre. Et ni après le prendre, qu'on y a livin fort gâté, livin fort nuit l'autre petit bon Dieu. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Autant nos paroles,
Proverbe 18, le verset 9. Si là qui pas fait un rien, qui tombe dans paresse là, dans travail là, et bien lui c'est frère si là qui a détruit là. Mais qui mounouye. Alléluia. Ou pas fait rien, de vous pas gagner rien ou fait, ou a détruit quand même. Parce que pas rien on vient faire. Y a toujours joué nous pour faire parler mal sur monde, y a toujours joué nous pour faire tripotaille avant, y a toujours joué nous pour faire zizanie avant, y a toujours joué nous pour faire compte avant, y a toujours joué nous pour faire parler sur monde. Je dis à moi vinn di ou, travail dit pour le Seigneur, moun pa joué nous pour faire tripotaille avant. Travail dit pour le Seigneur, moun pa joué nous pour faire zin avec. Travail dit pour le Seigneur, busy pour travail bon Dieu. Busy pour travail bon Dieu. Veillez en haut, veillez en bas. Et nien li la nan mitan nou. La prode autour de nous-mêmes pour le détruire nous. Pour détruire nous. Et je dis à m'vle konnen. La vie ou et pas pour ou lié. Li vle détruire la vie ou. La vie ça que Christ mette nan ou a. Li vle détruire. Pour pas arriver faire travail bon Dieu confié ou là. Je dis à prendre responsabilité ou. Travail Dieu. Ayez du zèle. Car zèle ça ou pral manifester ya. La suffit pour mettre ennemi hors d'état de nuire dans la vie. M'a quitté avec parole ça que moi joindre dans Psaume 69 le verset 10 qui dit le zèle de la maison, le zèle de ta maison me dévore. Approprie-toi de cette parole. Quelle est parole ça? Le zèle de ta maison me dévore. Ou besoin ça qui pour manger aujourd'hui a. Approprie aujourd'hui a prends parole ça pour proclamer avec foi ou apprêter dans celle ça pour faire travail bon Dieu et comme ça mes bien-aimés tout côté passé ou va témoigner Christ avec engagement ou va témoigner Christ à partir de zèle. Priez le Seigneur à soi. Priez le Seigneur à soi mes bien-aimés et déclarer que ou zélé ou a travail Dieu ou pas fait paresseux ou a fervent d'esprit pour bon Dieu et pour œuvre et comme ça on est capable témoigner Christ tout côté au passé au nom puissant de Jésus. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège et que bon Dieu passe avec vous. Amen.